Donc Eric, tu es au forum des responsables de groupe et à l'Assemblée Générale. De quel groupe tu es, d'où tu viens, quelle est un peu ton histoire? Alors je viens du groupe d'Artois, secteur Lens, hein, dans le Pas-de-Calais. Mon histoire, c'est que je suis dans le scoutisme depuis 8 ans à travers mes enfants. Je viens de découvrir les imprimantes 3D et puis amener peut-être aussi un peu de ma réflexion et prendre des nouvelles du groupe. Alors dans le quartier numérique, tu dis que, enfin quartier numérique ou quartier 3, qui est le quartier sur tout ce qui est le monde de demain et tout ce qui va se faire le monde de demain, tu as vu les imprimantes 3D. Est-ce que tu imagines une activité scout ou est-ce que tu penses qu'on peut exploiter quelque chose à partir de ce truc-là un peu moderne et un peu bizarre? Oui, alors je pense qu'au niveau des activités, on peut développer des choses. Bon, pour l'instant, ça peut être encore très cher, difficilement abordable par tous les groupes, mais je pense qu'il y a des ouvertures là. C'est vraiment, il y a quelque chose. Je pense que dans les 5 prochaines années, quand les prix vont baisser, il y a des choses à faire. Ouais. Sûr. Par rapport au plan d'orientation du mouvement, qui a 3 grands axes, est-ce qu'il y a un axe qui t'attache plus qu'un autre ou qui t'intéresse plus qu'un autre? Et pourquoi? Ouais. Ben, moi, je suis très intéressé par ce qui est la diversité, parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est ouvert sur tout et on peut toucher à tout. Et malheureusement, dès que c'est un petit peu différent, on en a peur. Et ben, moi, mon orientation, c'est surtout ça, essayer de faire comprendre aux gens que ben, la diversité, c'est avant tout une force et un bonheur, et pas quelque chose dont on doit avoir peur, et puis quelque chose qui doit effrayer, quoi. Alors, accompagnateur tant compas, chez les Scouts et Guides de France, ce sont les 17-21 ans qu'on accompagne par équipe. Est-ce que tu as une fierté d'accompagnateur compas? Oui. Alors ça, j'ai accompagné des jeunes qui sont partis en Inde. Et la fierté, c'est de les voir revenir, les emmener vers une petite idée au départ, les voir arriver à l'aboutissement de leur projet et de les voir revenir avec les yeux pleins d'étoiles et puis raconter l'aboutissement de leur projet qui a quand même pris quelques années à se mettre en place. Ça, c'est une certaine fierté, quoi, d'emmener des jeunes dans un rêve. Ça, c'est formidable. Je trouve que c'est formidable. Alors, j'ai une question bonus qu'on n'a pas abordée avant qui est, tu as dit avoir découvert le scoutisme adulte finalement, par l'intérieur des enfants et par l'intérieur de ta femme. Et en fait, pourquoi tu es rentré dans un truc aussi taré que le scoutisme et y passer des heures bénévoles? Pourquoi, qu'est-ce que tu crois dans ce mouvement? Ça correspond à plein de mes directives de vie. J'ai malheureusement pas eu la chance dans ma jeunesse de pouvoir croiser des scouts, parce que je pense que mon regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir grandi dans le scoutisme tout petit dès le petit âge, quoi. Alors j'ai pas eu la chance, honnêtement j'ai pas croisé et j'ai peut-être pas eu non plus, ben, j'avais pas des parents, j'ai personne, moi je suis le premier scout de mon arbre généalogique et je pense que je serai pas le dernier, donc ça c'est sûr, mais mon regret c'est ça, de ne pas avoir rencontré ça avant. Et si tu as un message à donner à tes compas ou à ton groupe, un message perso, une private joke ou une moquerie ou même un encouragement, ça serait lequel? Eh ben... Parler des scouts et aller voir les gens qui ne sont pas forcément scouts et qui ne connaissent pas. Moi, si j'avais pu croiser ça, peut-être que j'y serais arrivé bien avant.